Bonsoir. Nous allons reprendre le séminaire ensemble. Il s'agit de partir un peu des questions que je me pose, à savoir comment est-il possible à partir de l'expérience, j'ai intitulé ça il y a déjà quelques mois, FLC, Freud, Lacan, Charmoille, comment est-il possible d'en dire un peu plus que de rappeler avec la voix comme objectita, c'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est pas le sonore. Hein? Comment ce que je vous dis, je vous le raconte. C'est ça la voix. Comment est-ce qu'il est possible, donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'acte, comment est-ce qu'il est possible de dire quelque chose du dire. Le dire, c'est pas la voix. Le dire, évidemment, c'est pas le dit. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prépare, au sens de la partition, comme en musique. Hein, la musique, vous avez une partition. Et bah, pour certains chefs d'orchestre, et ça depuis tout le temps, tout est écrit sur la partition. Et pour d'autres, comme Mahler, et bien justement, l'important n'est pas écrit sur la partition, ou dans la partition. On viendra là-dessus. Et la partition, ce serait la lecture de ce qui est pensable, de ce qui est lisible au sens de pensable. Il y a une parturition, justement, qui est plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une parse, il y a une partie, il y a une part qui est recouverte. On pourrait dire comme ça rapidement que sur la partition, sur le texte que je lis comme ça, là, dans un livre, il me vient le jeu de mots là, hein, sur le similaire, les similaires. Il va rigoler, Jacques Alain Miller. Hein? Les séminaires de Lacan ne sont pas les séminaires tels qu'ils apparaissent, et pourtant ça nous sert bien. On ne peut qu'être reconnaissant à Jacques Alain Miller, justement, peut-être même que ça pourra aller plus vite. Bon, il y a aussi toutes les transcriptions, et il y a surtout les audios. Le temps qu'il faut pour que quelque chose puisse se dire. Ce que je vous dis, je vous le raconte. C'est pas ce que je vous dis, je vous le lis. Ce que je vous dis, comment je vous le raconte, c'est même pas un comment. Parce qu'il n'y a pas de comment. C'est quelque chose, cet objet petita, qui justement est, puisque j'en arrive d'emblée là, comme ça en parlant, hein, je ne pensais pas y arriver aussi rapidement, c'est quelque chose qui, on pourrait dire transcende quelque chose comme ça, et pourtant le rend imminent. En même temps. L'agent du discours, qui est le discours analytique. Vous connaissez la formule. Bon. Alors, si ce que je vous dis,
je vous le raconte. Et si ça, c'est quelque chose qui renvoie d'emblée à la dimension de la chose, objectita. Si c'est une valeur importante, parce que justement, on ne peut pas dire ce que c'est. Ce n'est pas du factuel. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est la remarque de Mellman quand il dit, moi j'ai eu beaucoup de temps pour relire, pour qu'on peut comprendre quelque chose, et notamment il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à cette lecture du séminaire sur l'angoisse. 63. Parce qu'il dit que dans ce séminaire, relisez-le, c'est juste avant que Lacan soit négocié, comme il va dire. Il est dans cette position particulière de l'objet, petit a, comme excrément. L'objet saisible, où il va insister. Alors, on va revenir là-dessus, hein, bien sûr, de différentes façons. Et la question que je me pose, qui résonne d'une certaine façon, que j'entends par des collègues,